Antikira lichot et la lachot. Hazak baruch avotai besorot tovot. Ach, on est le 21 aujourd'hui. Ach tova chesed dans le mois de Tammuz. Pendant les semaines, hier on les a appelés maigres. Aujourd'hui on va les appeler chaudes. Et on va essayer de traverser ce trajet là. C'est également bien sûr la paracha de la semaine. Hein. Matot et masare. Matot c'est le bâton sur quoi on s'appuie ou sur quoi des fois il nous fait mal. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer dans les trajets. Masare. On a eu 42 stations dans le désert qu'on a parlé pendant longtemps. Aujourd'hui, un message magnifique avec une histoire connue. Hein. Elle a fait la une des journaux à l'époque en Amérique. Apparemment, aujourd'hui, on a ça même en Israël. C'est les faux billets. Mmh. Et ils ont attrapé une équipe. Ils étaient trois personnes. Le premier, ils ont trouvé chez lui, je ne sais pas, 20 000 dollars. Il a reçu 20 mois de prison. Le deuxième, il avait 40 000 dollars, 40 mois de prison. Et le troisième, il n'avait même pas un dollar, 20 ans de prison. Qu'est-ce qu'il avait? Ils ont trouvé chez lui la machine pour imprimer les billets. Et bien sûr qu'on comprend que quand tu as la machine, c'est pire parce que c'est infini tous les faux billets qu'on peut imprimer. Dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, dans Yoma, premier chapitre, là-bas la Gemara elle demande, elle dit, qu'est-ce qui a fait détruire les deux temples? Le premier... La Gemara elle raconte, c'est aussi amené dans Gittin, page 56, comme quoi il y avait trois péchés très graves, mais la Gemara elle va jusqu'à sept péchés. Les trois très connus, Avodazara, l'idolâtrie, Giloui Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, les gens y tuaient à droite et à gauche. Et malgré cela, en 70 ans, on a compris les fautes, on les a réparées, on a reçu le deuxième temple. Le deuxième temple, pour quelle raison il a été détruit? Alors là, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'adultère. Ils faisaient même beaucoup, beaucoup des mitzvot. Hein. Ils étaient tous érudits, mais il y avait la haine gratuite. Qu'est-ce qui est pire, elle demande la Gemara à Rabotai. Et voilà la réponse d'aujourd'hui. Le premier temple, même si en public, ils faisaient plein des péchés, hein, mais dans la cachette, leur cœur, la machine, l'imprimerie, elle était bonne. En cachette, ils faisaient du bien. Faisaient du chesed. Ils n'étaient pas jaloux un de l'autre. Personne n'y se mêlait de la vie de l'autre. Dans le deuxième temple, c'était l'inverse. Dehors, tout va bien, on fait les mitzvot et on est des érudits. Mais à l'intérieur, le cœur, il était jaloux, mauvais, haineux, orgueilleux, coléreux. Donc si l'intérieur n'est pas bon, chers amis, tout l'extérieur, c'est une fausse façade. C'est pour ça que ça fait 2000 ans presque. Et on n'a toujours pas le troisième temple. Ça veut dire qu'on est toujours dans le même péché, dans le même problème, qu'on a toujours l'imprimerie qu'on n'a pas réparée, elle se trouve chez nous. Alors même si les autres, ils ont des péchés, qu'il a 20 000 péchés, bon, ça va se classer avec quelques trajets et quelques épreuves. Mais sinon, on veut travailler ces trois semaines, le message est de nettoyer et de bien passer ce trajet et arriver au troisième temple. Rabotai, je termine avec Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans Shara Kedusha, il dit... C'est plus important de travailler les traits de caractère que tous les mitzvot dans la Torah, Rabotai. C'est la source. Quand le cœur il est bon, tous les mitzvot, ben nakel yuchal asotam. C'est facile à les faire. Alors, à nous de travailler, vivre notre vie, amen. Être content pour les autres, ni jaloux, ni colère, ni de la haine. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une excellente journée. Ach, tova chesed. Baruch Adonai, l'Olam, amen, ve'amen, rav, ve'amar, rabbi Elazar, amar, rabbi Hanina.